Et wesh les gars, c'est moi pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo ladder. Je vais tout simplement vous présenter mon deck ladder que je joue cette saison, pour cette fin de saison. Je vais stream d'ailleurs sur Twitch tous les soirs vers 5h du matin, enfin du coup soir matin. Voilà, et les week-ends, enfin vendredi et samedi. Sûrement, je ferai des streams vers 14-15h et voilà. Voilà, c'est ce petit splash yard que je trouve vraiment fort avec le PK et la cage. Franchement, ça fait un bête de taf. Le Sassy Glace qui est très fort dans la méta, je trouve, parce que le problème, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de void. Et du coup, ça fait que le sorcier est trop facile à tuer avec le void. Et c'est plus rentable aussi, alors que c'est que là, ça l'est beaucoup moins. Donc on va partir en ladder, actuellement je suis 2100, top 5003. Et puis on part tout simplement dans la première game. En tout cas, enfin, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à un petit like et un petit abonnement, ça me ferait sans plaisir. Et merci à tous qui le feront. Et c'est parti contre Gloria. Ok, une petite cage, hop, en tant qu'esprit. On va défendre ça. C'est mineur, ça peut. Juste un petit peu. Snowball, c'est quoi du ballon? Oh, je vais cycler mon PK. Ah, c'est du. What? Il est bizarre son deck. Super, tout va bien. Je crois que ça défend. Vite fait relou, je suis obligé de poison. Et bon, là j'ai pas trop le choix si je perds pas trop de dégâts. Bon, par contre, il va me faire chier ce princesse là, au pont. Du coup, la cage Evo va pas servir à grand chose. C'est un peu chiant ça. Faudra que je compte bien le cycle des squelettes Evo là, parce que sinon PK va se faire fumer. Bon, d'ailleurs, à partir PK, hop, on arrive en x2, c'est pas trop mal. À mettre le poison assez haut histoire que quand le voilà le PK il va avancer voilà, il carry quand même bien l'esprit hein. Pas se le cacher. Je pense qu'en vrai, le match-up est vraiment ok dans le sens où on a quand même pas mal de choses pour distraire le ballon. Ouais, attends, mais la cage, c'est one shot? Ah ouais! Ok, je m'attendais pas. C'est un peu surpris, j'avoue. Par contre, ici, super vite, c'est un peu chiant. Merde. J'ai mis le bûcheron chef. Ok. Ah c'est trop chiant, je déteste. Oh là là, c'est terrible. Ça y est.
Ok, let's go. Première game de gagner. Ouah, la game a été vraiment temps d'axe. Hein. C'était vraiment temps d'axe. Hein. Bon, tant mieux, c'est win. Du coup, ça nous fait monter top 4452. On part tout de suite dans la deuxième game. En fait, là, ce qui nous a mis bien, c'est vraiment gagner. Je pense que la tour princesse, il a un bête de match-up. Mais quand même, il a canonnier, ça met dans la sauce de fou. Donc écoute, on va pas se plaindre, tant mieux. C'est parti. Contre Léo 546. On va cycler la cage pour commencer. Hop. Merde. Non. Merde, j'ai mis ce kick. Je vais pas le mettre. Je l'enlève justement. Oh, ça met dans la sauce de fou. Ah, c'est dur. Je suis mortier. Oh merde. Ok, le gobelin à droite. Le gobelin. Ok, le gobelin prime. Ok. Ok, ça va. On a quand même vraiment bien gratté à droite. Le gobelin qui a mis deux patates. Ta poison. Hop. Ah, ça c'est chiant. C'est vrai qu'il a fait de l'AD, hein. Il a mis 8 d'élixir, c'est pas très rentable, tant mieux, parce que j'avais fait de l'AD en mettant le PK, là ça me mettait dans la sauce de fou. Donc tant mieux qu'il ait mis beaucoup trop d'élixir, il a mis 8 d'élixir pour rien là. Tant mieux. On va mettre la cage. Hop. Voilà, ça lui évite de mortier, ouais bon, mortier death, ça me va. Ça me laissait le temps de m'installer. Je mets un fût histoire de quoi, c'est pas. Ok, bon, parfait. Sympa PK. Ah ouais, la question que je me pose, c'est. Merde, c'est Michelin, cimetière. C'est comment il va défendre pour de vrai, parce que. En vrai, là, le. Ouais, ah ouais, bah ouais. C'est vrai qu'il a ça, j'avais carrément zappé. Ah, ça tue pas la sorcière. Oh, comment ça met dans la sauce. Ah, le mortier! Ah, j'ai pas vu! Ah ouais, parce que du coup, la cage, comme elle est morte. Ah ouais, j'avais oublié ça. Bon, t'as plus de fake. Bon, bah, la game là, elle est loose, hein. Sans mortier, c'est pas un bon match-up. Mortier, c'est la sauce de fou. Ah ouais, le problème, c'est que la cage, elle défend pas le mortier. Donc, bah, c'est compliqué. C'est normal dans les versions, il y a tout à bon Tesla. C'est déjà plus simple à gérer parce que je peux le mettre au pont. Alors que là, si je mets une cage au pont, bah. Et en plus, si la cage se casse, si j'ai pas de troupes sur le terrain, c'est la sauce. Donc, bon. C'est parti contre mini-pec. Allez, on va mettre une petite cage pour cycler. Petit baby. Ah ouais. Je vois le genre. Bien ce qu'il est, ce qu'il a fait en tout cas. Là, on est sur le prime du skill, je pense. Il a à peu près tout eu au pont. Il a mis bomber au pont, enfin bomber fond de map, prince fond de map, gobelin géant au pont, first play, genre. Ok. Oh, presque bien. Bon, en vrai, je pense que j'ai besoin de plus défendre. J'ai rien dit.
Ah, c'est chiant de fou ce qu'il fait là, frère, il joue comme un bot. En fait, dès qu'il a le gobelin géant dans la main, il faut qu'il le joue, quoi. Ah, il va le refaire. Non, c'est vraiment un bot de faire ça, au premier degré. Alette? Chef? Non, mais c'est une blague. C'est trop ça. Ah ouais, bah génial. Comment me baiser une game? Bah ouais, je perds cette game pour aucune raison, frère. C'est ma cause, pas ma go qui bug. Je peux vous promettre, c'est impossible, c'est ma go qui bug. Ouais, bah génial. Génial, génial. Bon. Parfait. Cette game, je vous jure qu'avec le PK, voilà, il y avait un monde, on prenait même la tour. Hein. Allez, c'est parti contre Habib USC 29-0. Ah, mais c'est quoi tous ces bots là, frère? Ils ont quoi là? Cet après-midi là, frère? Que des Jean-Michel Metto au pont là, allez. Ah mon dieu, le mec il a tout mis au pont, il a mis 10 d'élection au pont là, 29. Non, mais c'est une dinguerie, frère, les mecs comme ça là. Non, non, mais j'ai pété mon crâne, genre. Non, mais s'il a un truc pour défendre, je vais. Non, mais. Ah ouais, bah, va te faire foutre, genre, vraiment. Ah mais c'est quoi ces putains de bots là? Non mais ça va vraiment me trigger la force là, les chefs. Mais tout au pont. Oh non, pas cette carte du démon. Oh là. Non mais. Non mais gros, mais. Oh, ça m'énerve. Non mais vas-y, je prends le double coup. C'est trop. Bah ouais, bah il met trop au fond. Ah bah non, bah juste c'est plus la merde, hein. Vraiment, no skill ce qu'il fait. Aucun skill. Mais juste au fond. Ah, il a c'est un squelette. Le skill prime, hein. Là on est au summum du skill, hein. Ah, le summum du skill, gros, c'est une dinguerie de faire ça, non, mais pour de vrai, hein. Bon, allez, la petite dernière de la vidéo, histoire de faire 5 games.
Soit finir en 4-1, soit en 5-2, en 5-2, en 3-2, excuse-moi. Mais ouais, non, terrible ce genre de gameplay là. Ça, c'est typiquement le genre de mec infantile, genre vraiment. Les mecs, juste, ils push-spam comme un débile et ça passe. Et c'est là où on se rend compte à quel point les Evo font tout. Je sais pas, pour ceux qui regardent le ouf aussi, il avait expliqué que n'importe qui peut battre n'importe qui maintenant. C'est vraiment vrai. Il y a plein de joueurs que avant je détruisais et que maintenant, depuis que les Evo sont là, ils pètent le cul parce que les mecs, en fait, ils ont des cartes. Enfin, les cartes trop broken, ça tue tout le jeu. Regardez la méta du PKMK, frère. Ah ouais? C'est quoi cette partie? Le mec gros j'ai défendu un ballon, il a FF. Il a la substate. Oh putain mon dieu. Bon. Ah terminer la vidéo sur ça, c'est chiant genre frère. Ça fait 5 games, malheureusement je dois y aller donc voilà mais. On aura fait 5 games, j'espère qu'en tout cas. Oh! Petit cul épique. Voilà, super. Bon, en tout cas, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir en commentaire certains concepts. À mettre un petit pouce bleu, un petit like. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.